Et plop les gens, de retour sur Zéa Billions. En disant de retour, c'est surtout, je me suis loupé, j'ai voulu récemment, juste avant là, faire un enregistrement, une vidéo, et j'ai été mute tout le long, mais vraiment tout le long. Il y a même Flo qui s'est abonné, donc merci à lui encore, et voilà, du coup j'ai supprimé ce qui s'était passé. De toute façon, ce qui s'était passé, c'est qu'on a tenté trois fois les mines du corbeau, et il y a eu trois défaites. Donc, quelque part, vous n'avez pas loupé grand chose. Alors la première mort, c'était... j'avais un peu oublié de faire des unités. La deuxième, je me suis laissé déborder par pas par la première vague, mais un peu avant, il y a les zombies qui se réveillent un peu et qui attaquent. Et à ce moment-là, du coup, je me suis laissé submerger alors qu'il n'y a pas grand-chose. La troisième fois, j'ai construit des murs un peu tout autour. Je me suis bien débrouillé et la première vague m'a défoncé parce que la première vague en mode campagne est plus dure que en mode survie. Et récemment, allez, je vais vous montrer quand même. Et récemment, je me suis entraîné en mode survie et pas en campagne du tout parce que voilà, je n'enregistrais pas et je n'arrivais plus du tout à j'ai réussi qu'une seule fois la victoire et j'ai même essayé, j'ai commencé à essayer des niveaux de difficulté un peu plus faibles et je n'y arrive quand même pas. Donc voilà, j'ai essayé et je me suis peut-être trop habitué à ça plutôt que la campagne et j'avais oublié que la campagne était un peu dure d'un coup. Faut être prêt. Donc voilà. J'en suis là et on va continuer les mines du corbeau parce que tant qu'à faire, j'ai pas spécialement envie de faire une horde. Je crois qu'il va bientôt falloir la faire. Le col étroit, pourquoi pas. Mais la mine du corbeau, je voudrais au moins vous la montrer. Et puis en plus, maintenant, c'est frais dans ma tête. Donc ça serait censé être moins dur, peut-être, un peu. Alors tout de suite pause comme d'hab. Oui, c'est bien en pause. On va mettre des maisons. Trois maisons, on peut jamais plus. Toi tu vas là, toi tu vas là. Toi tu vas là. Toi tu vas ici et toi tu vas là. Ouais, L2, je les ai un petit peu fait se croiser. Mais c'est pas grave. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est ici, il y a un peu de pierre. Attendez, de quoi? Sérieusement, il y en a déjà une qui est morte. Au secours. Oh, au secours. Bon, bref, il y a toujours un miss micro au début de partie. Ou deux. Mais là, c'est très embêtant. C'est très, très embêtant. Ouais, t'as assez de PV. Toi qui vas galérer. Moi j'ai besoin de m'étendre très vite par ici pour prendre la pierre là. Donc vous imaginez bien que par celle qui va au sud, c'est pas une bonne idée. J'ai besoin d'aller ici aussi pour récupérer
ici il y a un bon spot de bois. Voilà, c'est toi qui te fais attaquer. Mais tu vas t'en sortir. Hop. Voilà. Et du coup, j'avais relu, je m'étais abusé à relire. Et toi, t'es morte, punaise. À relire le texte de la mission avec la voix de Nelson Montfort. Et bah, tant pis. Je ne voulais pas refaire. Ça date un peu, mais normalement, vous devez la voir dans la dernière vidéo. J'ai pas vérifié, mais vous devriez la voir. Voilà. Pas de façon. C'est juste pas assez de ressources. On a notre Siri. Ça c'est quoi? Ça c'est du bois, très bien. Et du coup, on va essayer d'avoir un mur par là, un mur un peu grand ici, mais vu qu'on n'a pas d'envie de s'étendre par ici pour le moment, un mini mur là, et un petit mur là, et un ici. C'est l'objectif prioritaire. S'enfermer dans cette zone là. Hop. Ça. Voilà. Juste pas que tu meurs par lui, mais après tu devrais t'en sortir, j'espère. Moi, je vais attendre. Il me faut 32 bois, donc je construis plus rien qu'à besoin de bois. Jusqu'à ce que ça soit fait, voilà. Est-ce qu'il va me falloir de la pierre pour avoir une... une caserne et l'atelier de bois n'a besoin que de bois. Donc on va lui demander de dégager un petit peu cette zone. Je crois que les zombies reviennent pas trop dans cette zone. Donc on va en profiter. Si. Hop. On va faire... des défenses. Toi qui es devenu vétéran, c'est bien. On a fait un mur, vu le nombre de...
Vu le nombre de soldats qu'on a en vie et qu'on a déjà de morts. Toi, non, toi. Il n'y a que vous deux, hein. Voilà, on va utiliser le train. Et comme ceci, voilà. Là, on va voir notre caserne. Est-ce qu'on peut la mettre là? Attendez. Hop, hop. Genre une série ici, ça rapporte 11. C'est pas mal, 11. D'accord, du coup, j'ai plus de travailleurs. Hop, hop. Prochain train qui passe. Devrait être payé. Alors là, non, c'est des travailleurs qui nous manquent. On va gagner 32 bois sur 32 par 32 bois et on peut en stocker que 70. Donc on produit beaucoup plus que ce qui est nécessaire d'habitude. Là, la Moïse, toi. Ouais. Alors, ici maintenant on peut faire la caserne. Est-ce qu'on peut faire ça ici? On peut toujours faire ça là. On va faire la caserne là-haut. Attendez. Faut que j'essaie de repérer ce qui est bon sol de mauvais sol. J'ai du mal à savoir c'est lequel des deux qui est bon et lequel qui est mauvais pour les cultures. J'ai l'impression que c'est celui-là qui est bon, donc on va essayer d'éviter de se mettre dessus. Est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin de beaucoup de moulins, enfin de quelques moulins, et parce que c'est beaucoup plus simple de gagner pas mal de nourriture avec des moulins qu'avec autre chose. Énergie. Il me faut de l'énergie. Là, et c'est tout. Toi, t'as des troubles. Ça va, tu t'en sors. Perdu quand même quelques PV. Et tu t'en sors par contre. Ils sont en train de passer dans ton dos.
nourriture. Pour ça, on a une belle cabane de pêche ici à 16. Il y en a une autre là-haut à 20, je crois. Voilà. Ici. On va se mettre là. Ouais. Il va nous falloir des cabanes de chasse. 16, c'est pas mal 16. 20, c'est quand même mieux. 21, 19, 16. On va se mettre à 21 ici. 16, 16. Donne un petit coup de main à ta collègue là. Et nous on vise pour le moment le fer ici. Pour faire des soldats à la pelle. Et une fois qu'on pourra faire des soldats à la pelle, le... on visera le... toutes les mines d'or parce que c'est un peu la mission aussi. Là, il y a du bois. On va le voir sur la minimap, ça sera bien, ce sera suffisant. Il faut plus de travailleurs. Est-ce qu'on peut prévoir la bouffe? Pas vraiment. Pas vraiment encore. Elles me prennent de la bouffe aussi, enfin des travailleurs. Quoi? Oh non, c'est le game over. Alors, vous venez là. Toi, tu viens là. Il n'y a personne, il n'y a personne. Toi, tu viens là direct. Oh punaise, je n'y arrive pas à cette mission, je n'y arrive plus du tout. J'avais oublié d'aller là-haut. Tout ça parce que j'avais plus de soldats. Et j'ai pas. Les premières, je les ai mises là à attendre au lieu de les. Au lieu de refaire les rondes, de bien vérifier que tous les passages étaient bien protégés. Tout ça parce que je m'énerve. Parce que j'ai pas réussi avant. Et. Ouais, parce que j'ai pas réussi avant et que j'ai mal enregistré.
Est-ce que je recommence une nouvelle fois la mine du corbeau ou... Ou la horde? J'aime pas les hordes. La mine du corbeau, elle est sombre, c'est un peu embêtant. Alors toi, tu vas là, puis tu vas là. Voilà, tu vas faire la même, sauf que tu vas aller là-haut. Ouais, tu vas là-haut. Là. Puis là-haut. Ouais, tu vas là, puis là. Et toi, on n'oublie pas qu'il faut des maisons. C'est vrai que je peux me coller au... à la tour qui donne l'heure, parce que c'est pas un bâtiment. Mais si je le fais, les troupes auront plus de mal de faire du nord-sud. Je vais pas le faire cette fois. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Alors là, on peut rien faire, mais on va essayer de venir le plus vite possible au sud et au nord pour avoir du bois. Ou alors je mets directement le premier, la première scierie, genre là, qui vaut 11. Ça fera moins de bois, mais ça en fera suffisamment vite. Ah oui, et vous attaquez en priorité les ennemis forts. Ici, je peux pas de toute façon. C'est ce groupe de 4 qui embête, en fait, qui... Quoi, elle a jamais le temps d'attaquer. Enfin, de tous se les faire. Et Plopflo! Comment tu vas? Désolé pour tout à l'heure, je crois que j'étais mute. Et du coup, t'as pas dû entendre que je te remerciais pour ton abo. Mon Prime. Ouais, bah j'avais juste oublié de le mute, de me unmute, je veux dire. Mais il marchait bien, hein, c'est juste que voilà, c'était mute. Bref, un peu dégoûté là-dessus, mais ce sont des choses qui arrivent. Comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion trop de se parler, de discuter. Toi, tu t'en sors. Moi, je suis en plein vendangeage dans mon nouveau travail au néologue. Onologue. Et ben, bon vendangeage. Ouais, t'as peu de temps en ce moment. C'est vrai que c'est septembre. Septembre, c'est les vendanges. Les vendanges ou les vendanges tardives, je sais jamais. Non, peut-être début septembre, c'est les vendanges. On est en octobre, ça doit être les vendanges tardives là. Moi, ça va. Ça va, ça va. C'est octobre.
les tardives ou les normales? quand j'avais commencé à parler, je croyais qu'on était encore en septembre. Ça va. J'ai fait AR Memories of Old. Je sais pas si tu connais. Avec une clé que j'ai gagnée chez Sœur Madness. Hop. Tu t'en sors. Par contre, toi, tu t'en sors ou pas? Et du coup, ben, j'ai fini le jeu. J'ai pas encore uploadé une vidéo, mais je pense que je vais le faire. Ok, là, ça se passe. Il faut venir ici. Il faut venir là. Et voilà. T'as vu ça, mais tu connaissais pas. Et souvent le dimanche, quand tu stream, quand je stream, t'étais au travail. Ah! Ah, en Provence, ça finit tard, les vengeances. Enfin, ça peut être aussi, mais c'était pas le sujet. Alors, c'est la mission des corbeaux, j'ai déjà oublié le nom, ça fait 4 fois que je le dis. Je l'avais testé une fois avant le déménagement, tout ça. Et là, je l'ai fait 3 fois, non, 4 fois maintenant. 4 défaites et c'est le 5e essai. Il faut que j'éclaire par ici. Voilà. Oh là là. Alors ici. Ouais. Toi. Non, tu butes lui, s'il te plaît. Oh punaise. Et... Ah, t'es bloqué au même niveau. C'est vrai que j'avais oublié que t'avais pris le jeu. Toi, faut que tu recules. Toi, ça se passe comment? Mal, évidemment. Toi, ça se passe pas bien non plus, apparemment. Toi, tu vas venir aider. Oh. C'était plus sur DRG. J'ai oublié le nom complet. Les nains dans l'espace. J'ai oublié le nom complet. Hyprog Galactique, voilà. Effectivement, j'ai vu que vous avez beaucoup joué à ça sur le serveur du Cygne. Protéger la Syrie. Ouais, voilà, vous quatre. Damned, Dashu, Lutin et Flo. Et Morgane aussi. Ou alors c'est juste qu'il avait déjà bien joué avant, du coup. Il a déjà son niveau. Moi, j'ai toujours pas fini de débloquer les 10 missions dans Deep Rock Galactic. Mais bon, chacun son rythme, hein. On n'y joue pas beaucoup, nous.
Hop. Alors une Siri, ici elle vaut 11, ici elle vaut 13. C'est quand même beaucoup mieux que 11. Et toi, je peux te mettre là, mais j'ai toujours pas mis de lampadaire. Ton mineur a 3 étoiles. Et ben, moi je prends, je sais plus. Je crois que je prends l'ingénieur, souvent. Je mets des plateformes pour les autres. Et on a un scout et un soldat d'habitude. Quand on joue tous les trois ensemble. Hop. Alors ici. Ici, on va mettre un mur là, comme d'hab. Il est très bien ce mur. Ennemi trop proche, c'est pas si grave. Et la tourelle, elle est peut-être un peu abusée. Tu prends quelle classe? Ingénieur. J'ai l'impression que personne prend le mineur. Pourquoi? En vrai, je l'ai testé le mineur et il est sympa. Mais tu te perds assez vite en 3D à tourner, à essayer de. À essayer de miner les trucs autour de toi. Oh punaise. J'ai plus de nourriture. J'ai pas du tout pierre. Maintenant la pierre c'est bon, ça va venir. J'ai pas assez de bois. Il me faut de la nourriture. De la nourriture, de la nourriture. 20. 19. Là j'ai fait ce que je pouvais et après je vais faire mes mines. Non, je peux faire le. Enfin, mes fermes, je voulais dire. En mettre là. J'ai besoin de quelque chose. Là, pour mettre ici. C'est un coup à prendre. Maintenant, je ne peux plus jouer autre chose que le mineur. Ouais, bah, c'est toujours ça, de toute façon. Hein. On s'habitue à un truc et puis après. On a du mal à faire autrement. Un autre rôle. Alors, ça, je sais pas si je mets ça ici. Si, hein, j'ai toujours fait ça pour le moment. Ou alors je le mets là. Allez, je vais changer, je le mets là. Ce sera peut-être le move de la victoire. Il me faut de l'énergie apparemment. Ça, il me faut du bois. Ici, il faut avancer. Ce n'est pas une option. Il faut avancer. Toi, tu redescends. Oh, bah non, toi, tu vas. Hop. Ici, il faut. Ok. Ou alors, toi, tu vas directement là. Et toi, tu retournes ici. Ça me paraît bien. Le soldat, il fait tout le tour. Toi, tu essaies de survivre ici. T'as l'impression d'être Gaëtan dans Atlantide? Je vois pas. Atlantide, c'est le dessin animé ou c'est Stargate Atlantide? De l'énergie, on avait dit. Ici, c'est bien. Voilà, déjà ça. Un peu de bois pour finir le mur.
Peut-être que c'est autre chose, Atlantine. Ouais, le dessin animé Disney. Je l'ai vu une fois et j'en ai pas masse de souvenirs. Non, je l'ai peut-être vu plus d'une fois et je suis en train de confondre. Mais ça date dans tous les cas. Et je ne sais plus qui est Gaëtan. Ça, c'est sûr. Hop, ici on va mettre. Ça là. Ça là. Ça, il s'en sort, elle s'en sort, elle s'en sort. Tout le monde s'en sort plutôt bien. Le mineur français joué par Patrick Timsy, d'accord. Ouais, c'est bien parti. C'est bien parti pour la deuxième fois, on va dire. Militaire, il me faut 20. Je galère quand même. Parce que la dernière fois, je suis mort à la vague. À la première vague, parce que j'ai juste pensé que la vague allait être comme dans, en mode survie. Ça. Oh, comment ça? Là. Toi, viens aider. Ça devrait aller. C'est bien que celui-là. Ok, ici on s'en sort. Toi, tu n'es pas morte. Toi, tu t'en sors très bien. Toi, il va falloir des fermes. Et quel, lui, au secours. Ouais. Voilà. Toi, t'es en galère. Ça va, tu t'en sors. Vous en sortez. Donc tu peux revenir là, refaire un petit tour pour vérifier. Pour le point de change, j'ai une idée. Les plops. Ouais, pourquoi pas. Tu veux dépenser tes plops? Ouais, il leur faudrait un autre icône de plop que le logo plop, je pense, mais... Ça, j'avais pas vu jusque là qu'il y avait de la nourriture ici. Qu'est-ce que tu fous là toi? T'es pas ok? Ah oui, t'étais censé revenir ici. Ok. Alors, c'est la mouisouille des fermes. Il va nous falloir des fermes. Alors, ici ça fait 24. Et non. Ici, ouais, c'est ça. C'est les trucs bien verts, c'est les zones où les fermes ont le plus de profit. Là et là.
Il va nous falloir de l'énergie, plus de bois, très bien. Toi, faut que tu recules. Et... toi, tu peux revenir ici, ce sera gentil. On a 8500, c'est bien ça. Alors toi tu vas revenir là. Et toi tu vas revenir ici. Je sais plus si... enfin je sais pas si là il y a une grosse zone ou pas. J'ai largement plus de vin. Je vais faire deux casernes. Comme ça, les unités quand j'en aurai besoin. Ouais, la pause active, j'ai l'impression d'être trop tout le temps en pause en fait. Mais c'est parce que quand je regarde quelqu'un, c'est quelqu'un qui soit un pro des jeux de stratégie, soit un pro de ce jeu là et du coup il joue en mode no pause. Du coup normal que j'ai l'impression de mettre trop de pause, mais c'est pas trop de pause et de la pause normale. Oh, je cours. Là il y en a un. Où est-ce que j'ai des soldats? J'ai toi. J'ai 2, 1, 2 et 3. Et hop, toi, c'est ici. Technologie research, c'est ça. Du coup là en fait tout ça, si on met un mur là et là, c'est à moi. Mais ouais, c'était chaud. Et je vais avoir mes deux casernes. Toi t'es en train de rechercher le marché, c'est ça? C'est quoi? On va d'abord faire des... et ici, il faut que j'y aille un jour. Si possible, dans pas trop longtemps. Où ça? Ouais. Ok, là c'est le moment où il y a une petite vague. Plutôt des rangers quand même. Nos murs, oui. Mais nos murs, c'est limite le moins important. Par contre, ici, toi tu peux faire ça. Lui, je pense qu'il va s'en sortir. Du point de vue de technologie, je préfère avoir plus d'unités au début de la partie. Ouais, c'est j'ai un souvenir que tu m'avais dit ça. Ou un équivalent. Toi tu vas aller là. Non, tu vas aller là. Puis là. Roger that. What do you
Non, toi tu vas là, puis là aussi, et ça ira bien. Oui. Alors, technologie research finish. Le marché, il faut 8 travailleurs, de l'énergie et de la pierre. Donc la pierre, on mine ce qu'on peut. De l'énergie, ça, il faut que j'en fournisse. Comme ceci. Ici, il faut que je réussisse à mettre un mur là, en fait. Hein. Est-ce que mettre un mur ici, c'est ridicule. Tu t'en sors. Tu n'y arriveras pas. Ouais, tu vas réussir à le prendre, le truc. Alors, on commence à s'en sortir. 9. J'en ai une là. 2, 4, 6, 8. C'est bon. Je sais où elles sont toutes. Parce qu'il me semble que ici. Enfin, ici, j'en gardais une pendant un bout de temps. Et vu que je l'avais perdue, entre guillemets. Je n'étais plus sûr de rien. J'ai pas avancé depuis trop longtemps. Depuis vraiment beaucoup trop longtemps. Est-ce que je mets une barrière ici? Ouais, je pense qu'il en faut une ici si l'attaque est de nouveau relativement tôt. Où ça, toi? Ouais, non, mais tu vas. Ouais, le soldat vétéran, il fait le café. Les snipers, c'est pas mal, ouais, je pense. Et ouais, faire un checkpoint ici, je pense que ça sera jamais mal. Surtout que là, je pense que les deux bouts, ils sont protégés par le. Par les poteaux, du coup, la porte se fera pas beaucoup, beaucoup attaquer. On peut mettre. Ça là. Je pense qu'ici, je vais rien mettre, mais par contre, peut-être là et là. Ici, ce qui est embêtant, c'est que c'est très arrondi, donc ce serait ici en fait le mur, ou alors comme ça, comme ce que j'avais fait la dernière fois, qui est bizarre comme checkpoint. Non. Ouais, d'accord. Où ça?
Ok, j'ai l'impression que c'est une petite attaque qui est en cours de partout. Oui, toi, t'es la dixième. Bah, tu vas venir ici. Comme ça, vous serez toutes par groupe de deux. Et le soldat est tout seul. Je vais vous mettre ici les prochains spawns. Non? Il faut quoi? Il faut des travailleurs, ouais. Des travailleurs, c'est qu'en général on n'est pas bien. Il faut des travailleurs. Par contre, les tours en bois attaquent tout seul ou il faut y mettre une unité? Non, faut absolument mettre au moins une unité dedans. Mais vu que les unités voient de plus loin quand elles sont dedans et tout, en général, on s'en sort pas trop mal. Alors, où est-ce qu'il est lui, là? Lesquels? Ici, au secours. Pourquoi j'ai... Ah, parce qu'elles sont là, celles qui étaient censées. Elles vont venir ici après. Très bien. On s'en sort. Non, toi, on s'en fout. Tu t'en sors toujours très bien. Oh non. Justement, on s'en fout pas parce que tu t'en sors très bien. Ouais. Hop, vous revenez là. Faites un tout petit tour, ça suffira. Toi, je sais plus ce que je t'ai dit de faire et... Voilà. Et du coup, vous... Non, l'autre. Ouais, lui il devrait s'en sortir, elle s'en sort pas. Elle, il y en a une qui s'en est pas sortie. On va se mettre ça là. Ici, on avait dit voir là. Il faut que vous veniez là. Toi, tu devrais t'en sortir. Toi, va directement là-bas. Non, en fait, tu t'en sors pas. Ok, toi tu t'en sors évidemment. Alors on arrive sur le bord de la carte ici. Vous deux. J'ai l'impression qu'ici,
C'est la mouise pour avancer. Alors on va mettre un mur. Voilà. Et on va mettre une petite cabane ici parce qu'elle est très productive. Non mais elle, dès que je l'ai fait sortir... Il n'y en avait pas deux là? Elle est pas morte, elle s'est juste enfuie. C'est la galère. Ici, il y en a une ici. Toi, tu vas rentrer là-dedans. Même toutes les deux. Ouais. Voilà. Et on veut avancer, on n'a plus de bois. Si c'est vraiment la mouise pour emmurer. D'ailleurs, en parlant d'emmurer, onze c'est pas mal, 10, ouais, bah 11. On va avoir besoin de plus de bois, 13, 12, 7. Hop, alors ici, est-ce que je peux mettre là? Non. Du coup, je vais me mettre ici et là. Et je vais... J'ai toujours pas fait le marché, mais il faut de l'énergie. De l'énergie, il faut de l'or. J'ai un chalet en bois. Ah ça oui. Oui. C'était c'est la zone la plus rentable du coup voilà. Non. J'avais besoin de bois pour beaucoup de trucs. J'avais besoin de bois pour genre le marché. J'ai besoin d'énergie aussi. Là et là. Et le marché, j'ai besoin de plein de trucs, dont des maisons. Et lui va repartir à l'autre bout du monde. Là, il faut de l'énergie des travailleurs. Donc les travailleurs, il faudra au moins... Bon, il faudra au moins attendre... Hein. Oh, vous tenez là, toutes les deux. Voilà. Ouais, même si le chalet il est en dehors, il l'attaque pas direct, donc tout va bien.
Là, il faut arriver jusqu'ici. Ok, ça peut suffire. Ah ouais, tout là c'est dispo. Donc en fait, si je mets un mur ici, ça suffit. Après, il faut un mur là. Donc ces deux-là pourraient sauter, enfin surtout celui-là. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et on n'a toujours pas de quoi. Non, on va attendre. Il manque de l'or, mais... Tu as un chalet en bois de 1, un vrai cercle vicieux, faire un marché. Ouais, bah c'est compliqué de faire le marché, hein. Là, j'ai dit que tout était ok jusqu'ici. Il faut des travailleurs. Avoir un marché, ça m'aiderait à avoir des travailleurs. Toi, toi, va te balader par là. Corbeau ça? Puis c'est un corbeau. J'ai eu peur que ce soit un infecté. On a toujours pas eu la première vague. On redit bien que l'ordre c'est de tirer sur les plus forts. Il y a lui là qui va être très vite gênant. Reculer. En fait, toi, à toi tout seul, t'es meilleur que les deux Rangers, alors... Alors viens les aider. Nos buildings, oula. Hop. Tiens là. Voilà, un marché. Alors, au maximum, je le mets là, ou alors je me fiche de eux. Là, ça me paraît correct. Et une cabane de pêche ici. Ouais, enfin le marché. Si la nourriture ça va, c'est l'énergie, j'en ai pas des masses, mais j'ai pas de bois. D'ailleurs ici. Ouais.
Ouais. Donc là, il faut que je réussisse à avancer. Mais il me faut du bois. Si je réussis à avancer, à mettre un mur là, c'est parfait. Il y a une muraille où j'ai laissé un trou. Genre là, c'est un trou, ça? À l'est, de l'autre côté, donc. Puis toi, il faut que t'avances. Hop, on va mettre un peu d'énergie. L'est, ici non. Et ici non. Pas grave. Vaut mieux vérifier que d'avoir un vrai trou et de pas le savoir. Faut que j'arrive à atteindre le fer là-haut. Je pense qu'une fois que vous aurez fait ça, non, on en est qu'au 14e jour, donc ça devrait encore aller. Seul, ok. Alors vous, si vous sortez, est-ce que... Alors... D'habitude, j'ai une troupette qui fait ça, là, ils sont trois. Non, ici c'est que la mine, ça c'est pas des ressources, à chaque fois je me fais avoir. Vous trois, vous allez aller genre direct là-dedans, ça ira très bien. Y a des gens qui meurent, je sais pas où. J'avais pas une troupette là? Si. Toi, tu meurs, ok. Ah, ils sont là, ok. Oui. Normalement, ils devraient s'en charger plus que facilement. Voilà, Ranger qui devient vétéran, c'est bon, on s'en sort.
J'ai envie de dire qu'on est en train de s'en sortir de cette mission, mais ce serait peut-être crier victoire un peu trop vite. Plus de bois. Unit under attack, c'était là. Pause. Voilà. Ici, il faut venir jusqu'ici et mettre un mur et on sera très bien avec un mur ici déjà. Comment ça? Oh putain. Let's go. Is everything okay? Dozens of infected are near the colony. They are approaching from the west. Donc ils attaquent de l'ouest. C'est bel et bien ça. Hop hop. Alors là c'est bien. Il va falloir. Voilà. Voilà. J'ai plus de bois. Non mais ici c'est relou, je protège jamais comme il faut. Et ici on va mettre un là, voilà. Et maintenant tout mon bois va me servir à faire de la muraille. Voilà. Ouais non, vous venez ici aussi vous. Toi t'es toute seule, toi t'es toute seule. Toi tu vas venir toute seule ici. Ça. On peut le supprimer, je pense. Des douzaines. Et des beaucoup de douzaines, hein. Déjà trop tard, ok. Ok, ça va tenir. Ici, par contre, il manque un. J'ai mis trop proche. Alors, tout le monde descend. Et je veux, genre, toi là. Ensuite, je veux refaire les murs ici. Voilà, un mur simple pour le moment, à peu près. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. À l'aise, j'ai pas de muraille.
Du coup, la troupette de 4 là. Voilà. Revenez là. Il m'en faut une si possible là-dedans. Ça, est-ce que du coup maintenant je peux? Oui. Ok, j'ai tout ça. Ouais, ça devrait aller. On va les faire aller là. L'air correct. Ok, alors ici, pouvoir continuer. D'ailleurs, si jamais j'ai besoin d'énergie, je fais comme ça. Ici, on va venir là. Ici, oui, ici, ça devrait aller. Toi, je sais pas ce que tu fais là, mais tu vas venir là. Et non, on peut pas faire ça quand même. Il s'attaque bien au mur. Tant qu'il s'attaque pas plus loin que les murs, ça va aller. Eux, ils devraient arriver bientôt. Peut-être. Allez, on y croit. Récupérer l'or. Voilà. Plus de musique, plus rien. On croirait que le stress est redescendu, mais pas du tout. Pourquoi il veut pas lui? Pas de travailleur, d'accord. Voilà, ça fera de quelques travailleurs. Je sais pas s'il faut mieux continuer à faire des tentes ou faire des... ou faire des chalets directs ou améliorer les chalets ou quoi. Je sais pas trop. Parce que moi je voulais mettre un mur ici. Mais en soi, si il faut juste remettre un mur là après, autant blinder directement ici. Ça a l'air d'être encore plus fermé comme point d'accès. Plutôt des tentes, c'est plus économique et tu as de la place, ouais.
Je dis ça et puis juste après, je fais plein de chalets. Ok. En plus, ça c'est de la pêche en fait, j'avais pas pensé. Ici, je peux y mettre plein de cabanes de pêche. 20. 13. 1. 3. Il faut des travailleurs. C'est quoi la zone? Ça va jusqu'ici. Ouais, la nourriture, c'est vrai que là j'en ai. Alors, ce qu'on va faire, c'est que toi et toi, vous allez rester là. Et tout le reste, vous allez pouvoir venir là-haut. Il faut que vous avanciez, voilà, comme ça. Et là, il faut avancer ça. Parce qu'à un moment, l'objectif, c'est aussi de faire de l'or. Hop, hop. C'est quoi l'objectif de la mission? J'ai totalement zappé. 700 personnes. Ça a l'air d'aller, vu la place et tout. Et 2000 d'or. Au moment, bah, il faut que j'aille à cette mine là. À cette mine là. Pour ça, il me faut du bois. Alors 10, 10, 15 par là, ouais. On va voir si je peux mettre après. Ici, il faut que je plante la zone, on va dire. Syrie, 8. Je sais pas si je vais y mettre des maisons ou des fermes. Et là, le mur, il se met là, en fait. Là et par là. Ok. Ce qui veut dire que... non, on va d'abord se rapprocher des endroits où il y a les murs. Voilà. Et potentiellement, ce serait bien d'aller chercher l'or. Ici, j'ai plus rien. Du vrai tir au canard, ouais. Voilà. Oui, c'était toujours pas arrivé. C'est où? C'est là. Non, faut que vous reveniez. Vous revenez tout de suite. Ok, alors mince. Let's go.
Understood. The train has arrived at the station. Est-ce qu'il y en a une? Nanana, toi. Il faut que tu viennes aider à défendre. C'est la misère. Ici, c'est toujours pas bon. Ouais, ici. Est-ce que... Il faut de l'or, ok. Il faut beaucoup d'or. Du coup, il faut que je réussisse à aller à ces mines. Ça me donnera de l'or un peu plus régulièrement. Voilà. J'ai l'impression que là, il y a un mur qui s'est fait péter. Vous y arrivez? Non, elle n'y arrive vraiment pas. Secours. J'ai plus d'or. Alors ici, on peut remettre des murs. Non, faut d'abord attendre ça. Soldat est devenu vétéran. Ici encore. Ouf. Et là. On a... Ennemi trop proche de cette position. Bah, trop proche d'ici aussi alors. travailleurs. Alors ici, ah, je crois que je peux pas construire là, ok. Bon, vous y arrivez? Alors ici, est-ce que on arrive à mettre... Non, pas encore. On va se mettre là. Ah, on est déjà au bout. Oui. Donc ici. Voilà. Là, on arrive vers la fin aussi. Ils sont là. Alors, il nous faut plus de maisons. On va pas aller plus loin que ça. Voilà, une mine. C'était bien celle-ci.
non, ici on a dit ennemi trop proche. Soldats qui avancent mais pas les rangers, c'est étrange et peu habituel. Un peu habituel on va dire surtout. Il faut plus de travailleurs. Alors là, là ça va bloquer. Hop. On va faire à la prochaine ligne. Ici, on a de la place. Ici, j'ai dit, il faut de l'or. Il faut juste de l'or. Donc, dès que lui a fini son truc, on peut faire la prochaine mine d'or. Là, non. Est-ce qu'on peut plus protéger que ça? Wow, au pire ça bloque, c'est pas si grave. Normalement on n'a pas de raison de sortir. Ici on pourra pas, c'est déjà dehors. Ah, on peut ici à la limite. Je pense que ce serait pas si mal de mettre un mur là. Et un autre derrière si on veut. Depuis le temps ici on doit avoir les ressources, voilà. Ici est-ce qu'on peut mettre un mur? On peut, c'est limite, mais on peut. Je sais pas si on aura besoin. De cet espace. Alors, oui, ici, j'aurais pu mettre ça et ça, et des défenses. Voilà. Donc là, on va laisser deux soldats. Et vous, vous allez remonter. Et d'ailleurs, ici ça fait beaucoup trop longtemps. Il faut absolument qu'on mette un mur là pour pouvoir mettre une ou deux mines de fer. Ça devient urgent. Non, l'énergie, il faut que j'arrête, faut que je me calme. Urgent. Ici, j'ai oublié de mettre ça. Ok. Ici, un checkpoint. Euh,
Alors, la mine. Mine, il faut des travailleurs. J'ai l'impression qu'il y a un orage qui est en train de se préparer. Là, il y a quelqu'un. Vous pouvez venir là-dedans. Alors là, on va mettre un là et un là. Du coup, cette troupette est devenue quasi insignifiante. Il faut des travailleurs. Tu vas me trouver monomaniaque, mais je te conseillerais une muraille à l'est. Ok, ouais, mais je... Ah, ici, j'ai déjà ma double muraille là. Là, du coup, ils peuvent pas venir jusqu'ici. Et là, ce serait plutôt au nord qu'ils attaqueraient. Et là, c'est déjà protégé ici. Donc oui, ici, c'est moyennement protégé, mais en soi, c'est protégé par ça, quoi. Ce serait limite ici. Mais j'ai pas l'impression que ce soit hyper utile. Là j'ai quoi? Là j'ai genre une soldate. On dit combien de temps? 27, 28 août ou demain? Ok, tout ça c'est bon. Ici. Cinquante-deux, c'est pas mal. J'ai assez de ressources, très bien. Ah, c'est le bois qui manque, donc ça devrait arriver vite. J'espère, voilà. Alors ici, comment on fait? Alors on peut se mettre là, on a 4, on peut se mettre là, on a 4, on peut se mettre là, on a 3. Et là, on a 6. Alors le 6, c'est le plus intéressant, on est d'accord, mais... Est-ce qu'il vaudrait pas mieux 5 plus 4, c'est ça, hein, ça marche. Non, ça ne marche pas, c'est le rang d'après. Six plus... Tac. Tant pis. Non, si, je veux revoir. Parce que là, si je prends... Alors 6 ici, je vais faire 6 plus 4 là, ou plus 3 là. Alors que... Ah, et je peux me prendre 6 ici, et
5 ou 6 là, ouais. Je crois que c'est ça le plus rentable. C'est important parce que ça sera grâce à ça qu'on pourra avoir des soldats et pas que des Rangers. Je crois que ça y est, on est aujourd'hui. Bientôt. Du coup, vu qu'on arrive... On arrive au jour et à l'heure fatidique de la prochaine vague. Il faut absolument avoir plus d'armées. Et vous allez venir là parce que ils arrivent de l'est, très bien. Arriver de l'est, ça veut dire arriver d'ici, logiquement. Si c'est du sud-est, là c'est un peu plus la mouise, mais ça devrait le faire. Toi, je pense que j'ai plus besoin de toi ici, donc tu vas venir là. Ouais. Toi, tu vas venir là, puis là. Puis là. Et en courant. Pareil, toi, j'ai plus besoin de toi. Donc tu vas venir là. Hop. Est-ce que je peux mettre plus de murailles? J'ai pas réfléchi à ça. C'est déjà pas mal. Alors ici, des moyens fertiles quand même. Il faut réussir à mettre... Oh. Là. Finis derrière la deuxième muraille. Une unité style lance-roquette pour les hordes. Mais je sais pas si t'as fait un peu.
de partie normale. Hop là. Mais il y a des unités dégâts de zone. Hop hop. Il faut que vous sortiez, que vous alliez là et que vous reveniez. Moi j'ai plus le temps de te sauver. Ok, alors. Mais je pense qu'en vrai, le mur, faut le faire là. D'accord. C'est bien ce que je craignais. Je leur ai tous demandé d'attaquer ça. Donc ici c'est défendu. Ici c'est défendu. Ici c'est comme si c'était défendu. Ici c'est en train de se défendre. Maintenant il va falloir tout le nord. Voilà, alors ici j'ai une mine, ici j'ai une mine, ici j'ai pas encore ma mine d'or. Alors vous, vous allez sortir... Je vais vous poster là, même si en soi, je crois qu'à ce niveau de la partie, vous allez crever si vous rencontrez quelqu'un. Ici, je peux mettre l'or. J'ai plus assez de bois, d'accord. Dans la mission d'exploration, tu as les dégâts de zone. Mission d'exploration. Ah, avec ton le personnage, ouais. 5. 5, c'est parfait. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut faire 2-3 soldats. Non, non, c'est... Oh, punaise. C'est un zombie, ça. Où ça? Ici. Il y a une contre-vague, une... Ouh, la ferme, c'est violent en fait. La ferme, ça fait spawn beaucoup de zombies. Yeah.
sir. Commander? C'était chaud, encore une fois. Oui, bah ici un faux coup. Ouais. Même prendre ça. Ah ouais, on est en négatif en production. Effectivement, parce que on s'est fait buter toutes nos fermes. Toutes deux fermes ici, et du coup. Any orders? Reporting for duty. Tell me. Commander? Ready and waiting. Building completed. Just tell me what to do. Ah, ici c'est bloqué. Of course, my commander. Ah, ici c'est bloqué, c'est trop bien. Orders, sir. Du coup, vous revenez là et c'est le dernier passage. Voilà. Alors ici, on va remettre ça. On va remettre une porte. On peut pas une porte ici. On a vu que du coup une double muraille, c'était pas de trop. Donc on va voir ce qu'on peut faire pour la suite. On va la mettre là. On peut pas mettre plus de protection. Voilà. Alors, ici, on peut pas là. Alors vous deux, vous allez rester là. Oh mince. Hop, toi tu vas là-bas, et vous quatre en fait, vous venez là, et vous deux, vous venez là. Ok, ici vous allez tous venir ici. Je sais même pas si c'est une mine de quoi que... C'est quoi qu'on mine ici? Hop, ça va pouvoir faire une première muraille là et une deuxième ici, je pense. Attention.
pense que là-haut on s'en fout. Si faut mettre une là et qu'on peut avoir de la chance là-haut, ça peut être cool aussi. Voilà, alors vous quatre, vous allez là-dedans. Vous deux, vous allez là, il va falloir plus de tourelles ici. Parce que si jamais ça arrive par là, on n'est pas bien. Voilà. Ouais, il faut que je gagne 2500, c'est ça? 2000 d'or et 700 de colons. Alors 700 de colons, c'est fait, on a 1700 d'or. On a 67 jours, on est à 30, ça va. Pour le moment, on est large, on a ça aussi à récupérer. Cette mine là. Donc une mine c'est fait, deux mines c'est fait, j'ai... trois mines c'est fait. Je les ai pas comptées. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il reste plus que celle-là à avoir et on les a toutes. L'énergie un petit peu, pas beaucoup mais un petit peu, ça fait toujours du bien. Le bois on en a quand même pas mal d'avance. Là une petite scierie à 20, on peut pas dire non. Hop. Petite scierie à 17 aussi. Quoi? Au secours. Ouais, c'est bien ça, j'apercevais bien des flashs et on entend enfin l'orage. Donc ici je pourrais mettre un mur, et ici ça fait le troisième de sécurité. Faudrait que j'arrête aussi, mais c'est compliqué de reprendre. C'est compliqué d'arrêter. Alors. Ouais, je pense pouvoir gagner aussi, mais là j'en suis à survivre aux vagues plus ou moins grosses. Pour ça, c'est faire suffisamment d'armées. Et réussir à gagner les 2500 ou les 2000 ou je ne sais combien d'or à la minute. Et on n'y est pas encore, mais avec la mine ici, peut-être que ça, il nous faut des maisons en vrai. En vrai, il faut plus de plus de murs ici, mais mais du coup, celui-là, j'ai l'impression qu'il me sert plus à grand-chose. Mais si jamais ça arrive jusque là, ça protège tellement de zones. Là je peux mettre quelques maisons et ici je crois que je peux pas en mettre. Ok, il va falloir que je trouve un autre endroit pour mettre un marché, genre ici.
Mais ouais, on est d'accord qu'il y a de fortes chances que ce soit déjà plus ou moins gagné. Et ce sera tant mieux vu le nombre d'essais que j'ai fait. Je vais essayer de moins appuyer sur la pause du coup, mais... Mais c'est dangereux de pas appuyer sur pause. Pas si je mets des tours et tout ici, je pense, hein, parce que de toute façon, sinon j'ai pas grand chose à faire. Alors, on a dit qu'on allait essayer de mettre un marché par ici, je pense. Parce que là, non. Ouais. Alors. Voilà. On a rempli ici. Vous allez pouvoir revenir ici. J'ai toujours pas mis la mine. Voilà. C'était donc une carrière de pierre. Ici, je peux avoir un de pierre. Je peux avoir deux de pierre en jouant bien. On va dire que c'est pas nécessaire non plus à ce point-là. Que j'en ai 6 là, oui, j'en ai 6 de sélectionner. Il faut que l'on sélectionne deux autres. Voilà, quoi? Voilà, normalement, ça sera blindé. Où est-ce qu'il y a là au nord? Au nord, il y en a un paquet à mettre aussi. Ici, peut-être. Ici aussi, il faudra mettre des gens. Ici, c'est déjà rempli. Ah, parfait. On va pas vous mettre là. Le nord.
Le nord, ça veut dire là ou ça veut dire là-bas? On va les mettre ici. Alors, vous quatre, vous allez là, vous quatre, vous allez là, vous quatre, vous allez là. Que c'est là où... Non. Et du coup, si c'est là-haut, il faut au moins 2-3 tours en bois. Et si c'est de ce côté, il faut une deuxième. Voilà. Faut que la deuxième rangée soit correcte. C'est à gauche, ok. Vous allez là. Vous tous, vous venez là. Voilà. La vallée des corbeaux. Ouais, 4 chalets, tu penses? Il faut pas que j'atteigne le temps. Alors, hop, vous venez là. Merci pour le GG. J'ai besoin de un marché. Oh, j'ai besoin de chalets pour un marché. Alors. Quoi, les ressources, c'est du bois. Je sais plus comment ça se passait avant, donc pour les autres missions de campagne. Effectivement, tu avais raison. Ah, il suffisait de construire des trucs, j'aurais construit à la place de me défendre. Ça aurait été bon.
Bien. Ouais, merci pour ce conseil, hein. Et les mines du corbeau, c'est fait. La recherche, tout ça, on verra la prochaine fois. Nous avons déverrouillé les terres du géant. Et cette horde, on verra plus tard aussi. Merci. Et du coup, et ben, j'espère que cet épisode beaucoup trop long vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Ah oui, 2 heures de VOD, c'est un gros épisode. Parce que je vais louper une première demi-heure et après 1 heure et demie. Bref. Merci d'avoir regardé.